Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto où je vais vous présenter l'extension Chrome Session Manager. Alors Session Manager c'est quoi? C'est juste une toute petite extension pour enregistrer ses sessions de navigation sur Chrome. Donc par session de navigation j'entends quoi? J'entends l'ensemble des fenêtres et des onglets qui sont ouverts lors d'une navigation, toute simple. Bon, je vais commencer par vous montrer où est-ce qu'on peut la trouver cette application? Donc, dans le Web Store Chrome, il suffit juste de cliquer là et taper Session Manager. Et elle apparaît. C'est cette application-là, donc cette extension, pardon, avec le carton et la petite flèche verte par-dessus. Sans plus tarder, je vous montre comment je l'utilise, moi, Session Manager. C'est que, disons que je suis en période d'examen et que je recherche énormément d'informations sur l'intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle. Alors, disons que je consulte cette page, je consulte cette autre page, encore ici, la page Wikipédia, l'article de ZNS France, ici, tac. Un article sur Le Monde, un article sur l'Express. Je consulte aussi des images. Je consulte celui de France Culture, ainsi de suite. Et hop. Alors, si vous remarquez bien, là, au cours de mes recherches, fictives bien sûr, j'ai ouvert quoi? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai ouvert 16 onglets. Et je commence à quoi? À lire sur la page d'un des onglets. Et il se trouve que, bon, à un moment ou à un autre, je dois passer à autre chose. Je dois faire quelque chose d'autre. Mais je n'aime pas trop avoir des tas d'onglets ouverts. Mais je veux quand même conserver cette session-là de recherche sur l'intelligence artificielle. Alors, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement de cliquer sur l'icône de Session Manager, ici, de cliquer sur le nom de la session, donc entrer un nom qu'on veut donner à la session, donc intelligence artificielle. Et on peut repasser à autre chose. Donc disons que, ok, j'ai fait mes recherches pendant 30 minutes et j'ai eu à aller sur un autre sujet ou à travailler sur autre chose. Donc supposons que j'ai fermé ma fenêtre Chrome et que je n'ai plus rien sur l'intelligence artificielle. Donc là, je ferme les onglets un par un, mais dans la vraie vie, on ferme directement la fenêtre. Tac. Alors là, je suis sur ma page d'accueil Chrome, je n'ai rien d'ouvert et je veux retrouver toutes mes données qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Je clique tout simplement sur l'icône de l'extension, intelligence artificielle. Comme vous pouvez le remarquer ici, il y a toutes les sessions que j'ai enregistrées avec chacune le nombre d'onglets ouverts. Et tac, 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 tac. Je repère intelligence artificielle et je clique sur Open. Et là, comme vous venez juste de le voir, tous les onglets qui étaient liés à ma session de recherche sur l'intelligence artificielle se sont automatiquement ouverts. Alors là, ça charge le temps que tous les articles soient complets. Et oui, c'est bon. Donc je peux à ma guise aller et revenir sur les onglets que j'avais sauvegardés. Là, il y a quelques minutes, consulter les articles et poursuivre mes recherches sans problème. Alors, moi, je l'utilise particulièrement parce que je n'aime pas naviguer avec des tonnes d'onglets ouverts. J'aime bien que chaque onglet, pardon, non pas chaque onglet, mais un ensemble d'onglets, en fait, soit lié à un sujet en particulier. Du coup, lorsque je change de sujet au cours de ma navigation Internet ou de mes recherches, je ne veux plus que d'autres onglets, d'autres sujets soient là. Alors pour ceux qui sont
qui ont cette inclinaison, je dirais, à avoir les choses assez carrées, assez simples, liées à un seul sujet, je vous recommande vivement Session Manager pour pouvoir aller à votre guise entre des sessions, commencer un travail, le mettre en pause, aller sur autre chose, revenir encore à ce travail sans perdre aucun onglet. Et ce qui est vraiment intéressant avec Session Manager, c'est que, pardon, les sessions sont évolutives, en griffe, évolutives parce que je peux avoir là la session intelligence artificielle qui est ouverte avec ses 17 onglets, mais s'il se trouve que dans mes recherches, je trouve encore deux ou trois onglets, disons, il y a robot, par exemple, il y a robot. Ici, un peu par hasard. Ensuite, IA robot futur. Je clique sur cet article-là en particulier. Alors là, j'ai consulté deux nouvelles ressources qui s'ajoutent à mes 17 onglets précédents. Donc là, j'en ai 19. Donc ce que je peux faire tout simplement, c'est cliquer sur Session Manager et cliquer là avec intelligence artificielle. Alors je sais que c'est la deuxième version de ma session de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc je peux revenir à la première ou revenir à la seconde à ma guise. C'est toujours ça en fait, Session Manager, avoir une certaine flexibilité et garder les informations. Donc là, je referme tous mes onglets. Et hop. C'est ça, en quelques points, Session Manager. Donc, deux points principaux, flexibilité et conservation des informations de navigation en fait. J'espère que ce tuto vous a été très utile et je vous dis à la prochaine. Merci.